Skyler White, qui vient de courir de manière très propre, visiblement. Hein. Bon, elle aurait dû gagner, à mon sens, à Lyon-Paris. Elle a été extrêmement malheureuse. Elle est tombée sur un cheval qui faisait un peu des difficultés devant elle. Elle a jamais trouvé le passage. Il a dû, le long de la corde, il a dû la décaler en pleine piste. Elle n'a pas eu toutes ses ases. Elle finit dans une belle action. Elle échoue. Elle est cinquième à une longueur du gagnant, je crois. Donc, si elle avait été plus heureuse, elle se serait certainement imposée. Sa marge de manœuvre au niveau des quintés, on la connaît puisqu'elle a couru à Clairefontaine de belle manière, mais elle était neuvième. Et à Cran également, elle finit dans le groupe des chevaux qui ont terminé à l'arrivée, les huitièmes, mais elle n'a pas été à l'arrivée malgré tout. Donc sa marge de manœuvre est quand même compliquée, mais après c'est une jument très courageuse et qui donne tout le temps et qui est très dure et qui voyage bien et qui a quand même beaucoup de paramètres pour elle. Donc pareil, en fin d'année, on tente le coup. Elle paraît en bonne forme. Elle aura un peu moins de fraîcheur que la Dauphine puisqu'elle a couru plus régulièrement ces derniers temps. Mais elle est quand même assez dure et elle est en mesure de fournir une bonne performance sur ce parcours de mansonien de 1000 mètres comme ça devrait bien lui convenir.